Bonjour à tous, bonjour à vous amoureux de Dieu, bonjour à vous amoureux de la présence de Dieu. Nous vous disons bienvenue dans l'émission ICC chez vous. Nous le savons, nous n'avons pas la possibilité de faire le culte en présentiel, alors notre Dieu, notre Père nous accorde l'opportunité, la grâce de recevoir le culte chez nous. Alors pour cela, nous sommes véritablement reconnaissants à Dieu car nous savons que ce n'est absolument pas un acquis. Nous allons prendre le temps d'adorer le Seigneur, nous allons prendre le temps dans l'action de grâce, lui dire merci pour cela, lui dire merci pour le temps qu'il nous accorde et l'opportunité qu'il nous fait ce jour. Après donc le temps de louange et d'adoration, la parole de Dieu va nous être annoncée par le pasteur Ghislain Biabatantou. Après le message, nous aurons donc la possibilité de faire librement nos offrandes et pour cela, des numéros de téléphone vont nous être donnés pour que nous puissions librement faire nos offrandes. Alors nous nous encourageons à nous disposer dans la prière, nous nous encourageons à nous disposer dans ce temps de louange et d'adoration, afin qu'ensemble nous élevions la voix vers notre Père. Nous honorons ta majesté, nous honorons ta fidélité. Nous élevons ton nom plus haut. Ce matin, nous t'accueillons. En ce jour, nous t'accueillons. Magnifique présence de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Quelqu'un t'appelle. Esprit de Dieu, viens. Quelqu'un t'invite. Esprit de Dieu, viens. Quelqu'un t'appelle à l'aide. Esprit, nous avons besoin de toi. Dieu, nous avons soif de toi. Esprit, oui. De Dieu, viens. Augmente nos capacités. Esprit, oui, viens. De Dieu, viens. Quelqu'un t'invite. Esprit, oh. De Dieu, viens. Quelqu'un t'appelle. Esprit de Dieu, viens. Quelqu'un t'invite. Esprit de Dieu, viens. Oh oui, quelqu'un t'appelle. Esprit de Dieu, viens. Quelqu'un te cherche. Esprit de Dieu, viens. C'est le moment, prends le contrôle. Esprit de Dieu, de Dieu viens. C'est le moment, prends le contrôle. Esprit de Dieu, de Dieu viens. Nous nous attendons à toi seul. Esprit, oh, oh. De Dieu viens. Esprit de Dieu, oui. Esprit, oui. Dieu viens, inspire nos paroles. Esprit de Dieu viens, inspire nos pensées. Esprit de Dieu, Dieu viens, nous t'appelons à l'aide. Esprit, donne la force, Dieu viens, donne la capacité. Oh, nous t'appelons. Esprit de Dieu, de Dieu viens. C'est le moment,
fais ce que tu veux. Esprit de Dieu, c'est le moment, fais comme tu veux. Esprit de Dieu, c'est le moment, prends le contrôle. Esprit de Dieu, viens. C'est le moment, fais comme tu sens. Esprit de Dieu, viens. Tu es le gouverneur général. Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit, nous avons besoin de toi. Viens. Quelqu'un t'appelle à l'aide, quelqu'un te cherche. Esprit, c'est le moment, est-ce que tu peux lever ta voix, inviter l'Esprit de Dieu, te connecter à la magnifique présence Esprit, de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux appeler l'Esprit de Dieu à l'aide? Viens, connecte-toi, Esprit, où que tu sois. Peu importe ce que tu es en train de faire, est-ce que tu peux consacrer ces quelques instants pour te connecter à la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Quelqu'un t'appelle, Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Oh oh, de Dieu vient. Esprit du Dieu vivant, Esprit de sa majesté, de Dieu vient. Esprit du Dieu éternel, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Quelqu'un dit avec moi, le Saint-Esprit est là, 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 oh. Le Saint-Esprit est là, sa présence est là, le gouverneur général est là. Le Saint-Esprit est là, il est là pour conduire, il est là pour nous inspirer, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, présent au milieu de nous, le Saint-Esprit est là, prêt à nous connecter à lui, le Saint-Esprit, oh oh oh, Saint-Esprit est là, et quand il est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, à cause de sa puissance, à cause de la vie qu'il transporte, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Dieu est puissant, il est tout puissant. Les stériles enfantent, les sourds entendent, les sourds par sa puissance. Les sourds entendent, et glorifient le Père dans les
précieux, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. 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 Quelqu'un t'appelle, quelqu'un t'invite, quelqu'un veut se connecter à toi, quelqu'un se connecte à cette atmosphère viable, vitale de ta présence. Quelqu'un se connecte, quelqu'un est en train de désirer ardemment être conduit, poussé, transporté par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit est là. Ceci s'appelle à parler en langue. C'est l'un des signes qui opère, qui est visible lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a le parler en langue. Alors si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Tu peux te laisser pousser par l'Esprit. Tu peux prier en intelligence. Tu peux parler en langue. Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux pousser un cri de joie. Laisse-toi conduire, laisse-toi guider par le Saint-Esprit de Dieu. Il peut encore te toucher. Il peut encore changer la situation. Il peut encore redresser ce qui est perdu. Il peut ramener ta vie au niveau où il veut. Il est le maître. Il est là, il est là. Et quand il est là, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Saute de joie, glorifie Dieu. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance. Nous voulons t'honorer, Esprit de Dieu. Nous reconnaissons que c'est une grâce, un privilège, un honneur pour nous d'être présents par le Saint-Esprit. Tu as permis que les églises physiques soient fermées, mais tu as également permis que les églises de maison soient ouvertes. Et tu as permis qu'au travers de cette tragédie qui est en train de se passer au milieu de ce monde, tu as permis, Seigneur, qu'il y ait encore plus d'églises ouvertes dans les maisons que des églises fermées dans les villes. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cela, Esprit de Dieu. C'est toi que nous voulons honorer, Esprit de Dieu. Merci. Merci pour ces instants. Merci pour ce culte dominical. Merci pour mon frère et ma sœur
qui a fait l'exercice de se lever, de se préparer et de se positionner pour suivre, Seigneur, et participer à ce culte dans le nom de Jésus. Seigneur Père, nous savons que nous sommes tous unis par ton esprit. Nous savons que nous sommes tous réunis par ton esprit. Voilà pourquoi nous voulons honorer ces moments, nous voulons respecter ces moments, respecter ces instants. Merci d'être présent, merci d'être là. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Honoré, 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 tu es honoré. Honoré, tu es honoré, 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 honoré. Oh oui, honoré, 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 Mazoseka. Ah, honoré, 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 Ayare de Bosia, honoré, 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 Azazé, oh célébré, 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 tu es célébré, oui célébré. Célébrer, célébrer l'Esprit du Père, célébrer, oui adorer, adorer, oh adorer, adorer, oh oui adorer, adorer, oh oui adorer, aïe 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 aïe, oh oui adorer, adorer. Oh oui, adorer, adorer, je dis adorer, adorer, où que vous soyez adoré, Ayaro Sama, où que vous soyez adoré, que vous soyez dans vos maisons, vous pouvez adorer, où que vous soyez en famille adorée, que vous soyez seul, vous pouvez adorer, oh Saramaa, que vous soyez dans vos voitures, adorer, adorer, que vous soyez dans vos chambres, adorer, 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 l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Église, l'Esprit de grâce, présent parmi nous, adorer, famille ICC, Oramanasea, connecté par le Saint-Esprit, à Pointe Noire, où que vous soyez, adorez, que vous le suivez en direct ou en différé, vous pouvez adorer. Marc-José, il est présent parmi nous, il est là au milieu de nous, il aime quand on l'adore, il aime quand on le vénère, il aime quand on le respecte. Adorez, oh tu es adoré. Adoré, ma Joséka, et tu es honoré, honoré, honoré l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de grâce, l'Esprit de la compréhension de la parole. La Bible dit, mais oh, que nous avons besoin d'intelligence spirituelle, de sagesse spirituelle, de connaissance spirituelle pour comprendre la volonté de Dieu. Honoré, 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 tu es honoré. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Ce matin, nous t'honorons. Et nous considérons que c'est une grâce et un privilège de nous rassembler en ce premier jour de la semaine. Nous te bénissons pour la semaine qui s'est passée. Nous te rendons grâce parce que tu nous as préservés. Ta main puissante a été étendue sur nos vies. Et que nous en soyons conscients ou pas, nous savons que le fait que nous soyons là, c'est que tu nous as gardés, c'est que tu nous as préservés, c'est que tu nous as protégés. Merci, merci, merci pour ta protection divine. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Comment ne pas bénir ton nom, comment ne pas célébrer ton nom, comment ne pas adorer ton nom et comment ne pas acclamer ton nom. Oh oui, acclamez, où que vous soyez, peuple de Dieu, acclamez, que vous soyez au salon, peuple de Dieu, acclamez, acclamez, acclamez en l'honneur du roi des rois, acclamez en l'honneur de Jésus, le prince de paix, acclamez en l'honneur de l'Esprit de Dieu,
acclamer, oh oui, acclamer, acclamer, oh oui, acclamer, acclamer, oh oui, acclamer. Ah, tu es acclamé, tu es acclamé, tu es le bienvenu ici, tu disposes nos cœurs, tu disposes nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de ta bouche, de nos bouches, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons nous laisser conduire par toi, nous laisser diriger par toi. Alors Père, nous recevons ta pensée, donne-nous la force et la sagesse de pouvoir la donner dans le nom puissant de Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Tu as dit que si nous sommes dociles et si nous sommes bien disposés, nous mangerons les meilleures productions du pays dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la bonne disposition de mon frère et la bonne disposition de ma sœur dans le nom de Jésus le Christ. Ah oui, tu es acclamé. Oh, acclamé. Oh, acclamé. Je dis acclamé. Acclamé. Oh oui, acclamé. Alléluia, où que tu sois, acclame le Seigneur. Bienvenue. Nous sommes chez vous. ICC, chez vous. Voilà, soyez véritablement les bienvenus dans ce culte de célébration. Vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes à la connecté à la bonne chaîne. Vous êtes connecté aux bonnes personnes. Dites-moi un bon amen. Alléluia. Voilà, nous sommes ravis de vous voir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Que quelqu'un me dise amen. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes dans votre salon et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous est donnée de toujours transmettre la parole de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Et si vous êtes heureux là où vous êtes, saluez, saluez comme ça. Voilà, saluez comme ça. Je sais que vous êtes levés exprès pour suivre le culte et c'est une grâce et c'est un privilège. Alléluia. Voilà, c'est une bonne chose. Et je bénis Dieu pour vos vies parce que vous avez pris le temps de vous lever et pour être à l'heure du culte. Nous sommes dimanche, que nous soyons en présentiel ou que nous ne le soyons pas, ou que nous soyons connectés par les nouvelles technologies. Le plus important, c'est que nous soyons là parce que le Saint-Esprit est... Voilà, le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons... nous avons fini une bonne semaine de fête de la Pâque, parce que la Pâque, ce n'est pas seulement le week-end dernier, c'était aussi égal et toute la semaine. Si vous voyez les instructions dans l'Ancien Testament, on devait la fêter pendant 7 jours, mais je crois qu'aujourd'hui, la Pâque se fête tous les jours. Voilà, la Pâque se fête tous les jours et c'est une grâce, c'est un privilège, donc ce n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter toujours une bonne Pâque. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer un thème que nous avions commencé. Sur que faire pour tenir et sortir vainqueur des saisons difficiles. Voilà, nous avions commencé déjà une série et je crois que la parole nous fait énormément de bien. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Donc je vous encourage, je nous encourage à revoir la série pour que vous puissiez vraiment bien comprendre, saisir les moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions traverser ces moments difficiles. Alléluia, que nous puissions traverser ces moments difficiles. Et en réalité, ce que nous sommes en train de vivre ici, ça peut être choquant. Ça peut être choquant et on peut être gravement surpris. Mais en réalité, la parole nous avait déjà prévenu. La Bible dit que Dieu ne peut pas cacher ce qui va arriver à ses enfants ou à ceux qui lui sont chers. Amen. Et tu es cher au cœur de Dieu, je suis cher au cœur de Dieu. Donc en réalité, quand tu regardes la parole, Dieu nous avait déjà prévenu qu'il y aurait des choses terribles qui arriveraient. Dans Luc 21, verset 9, et ensuite je lirai le verset 11. Luc 21, verset 9, ensuite le verset 11, la Bible dit... Quand vous entendrez la version second 21, quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne vous laissez pas effrayer. Donc ne soyez pas effrayés, ne soyez pas inquiets. Alléluia, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Car il faut que ces choses arrivent d'abord. Eh oui, ça doit arriver. Dieu a permis ces choses parce que ces choses doivent arriver. Et si ces choses doivent arriver, ben, on ne peut pas éviter ce que Dieu a dit, qui arriverait. Alléluia, si Dieu a décidé que ces choses arrivent, ces choses doivent arriver. Voilà, le verset 11 dit, il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits.
en divers endroits, ainsi que les pestes, les épidémies et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants, hein, oui, et de grands signes dans le ciel. Alléluia, ces choses doivent arriver. Donc, comme nous sommes au courant que ces choses doivent arriver, comment nous sommes au courant? Parce que Dieu nous les a annoncées au travers de sa parole. Et le fait que nous soyons au courant, comment? Parce que nous entendons la parole, parce que Dieu nous parle au travers de la parole. Dieu nous parle au travers de la Bible. Dieu nous parle au travers de la parole. Alléluia. Voilà. Et quand Dieu permet une chose, même si cette chose est terrible, Dieu le fait toujours pour notre instruction. Que quelqu'un dise « Dieu l'a fait pour notre instruction ». Oui, ça signifie que, en fait, ces moments, ces instants, ces situations sont pour nous instruire. Dieu le permet pour que nous soyons instruits. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, la version second 21, la Bible dit « Dont tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. » Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction. Ils ont été écrits pour notre instruction. Ça signifie que tout ce que Dieu nous annonce et que nous voyons aujourd'hui ont été écrits pour que nous soyons instruits. Dites-moi Amen. Alléluia. Il dit donc qu'ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Parce qu'en réalité, nous approchons de la fin. Eh oui, mon frère et ma sœur, nous approchons de la fin. De toute manière, quand vous voyez des choses terribles qui sont en train d'arriver, je crois qu'il est bien que nous puissions partir avec Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Mais pour ce faire, il faudrait que nous puissions être préparés. Comment être préparés? Dieu nous annonce les choses terribles qui arrivent. Ça signifie que, attention, je reviens bientôt. Maintenant, préparez-vous. Préparez-vous pour que vous puissiez tenir dans ces périodes difficiles. Dites-moi Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu a dit ne vous inquiétez pas, c'est que ne vous inquiétez pas. Quand Dieu a parlé, Dieu a déjà parlé. Alléluia. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça signifie, même si aujourd'hui nous passons par des moments difficiles, ce qui est réel, c'est que quand Dieu a parlé, Dieu a parler. Dieu nous a dit cette année, l'année 2020, c'est notre année de rayonnement parce que la gloire de Christ est visible pour nous. Si Dieu l'a dit, c'est que même en période d'épidémie et de pandémie, le rayonnement divin sera sur ta vie et sur ma vie cette année. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Peu importe ce qui arrive en cours d'année, mais pour ceux qui appartiennent à la grande famille Impact Centre Chrétien Pointe Noire, Dieu a déjà parlé. Dieu est capable de te bénir au milieu des ténèbres. Il est capable. Dis-moi Amen. Il est capable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, nous avons vraiment l'impression que c'est une tragédie qui est en train de se passer, c'est vrai. Nous avons vraiment l'impression que les ténèbres semblent vraiment envahir toute la terre. Vous voyez, c'est impressionnant. Aujourd'hui, avec cette pandémie, il n'y a aucun endroit au monde où on peut se réfugier. C'est incroyable. D'habitude, quand il y a la guerre en Afrique, oh, vous allez en Europe. Ou quand il y a le terrorisme en Europe, oh, vous pouvez courir en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit sur Terre où vous protégez de cette pandémie. C'est incroyable. Aucun endroit. Mais pour les enfants de Dieu, il y a toujours un endroit que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Mais je vais plutôt lire le verset 2. La Bible dit, au verset 2, Ésaïe 60, verset 2, la Bible dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, c'est vrai, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel se lève. C'est vrai que les ténèbres recouvrent la terre. Il y a la mort partout, la pandémie est partout. Et c'est vrai que l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Ça signifie qu'on n'a pas l'impression qu'il y aura l'espoir demain. On a l'impression, et on voit et on constate que semaine après semaine, c'est de pire en pire.
C'est de pire en pire. Les systèmes de sécurité imposés par nos États, c'est nécessaire, bien entendu, mais sont en train de se durcir. Donc on a l'impression que l'avenir est sombre. Donc c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera et sur toi sa gloire apparaîtra. Même au milieu des pandémies, des difficultés, Dieu se lève sur toi et le rayonnement divin va briller sur ta face et ta famille. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu se lève. Donc on ne peut se réfugier qu'en Dieu. Dis-moi amen. Voilà pourquoi plus que jamais, tu dois, mon frère et ma sœur, où que tu sois, toi qui m'écoutes, plus que jamais, il n'y a aucun quartier qui puisse te garder. Aucun. Même les masques là ne te gardent pas. Ça ne fait que, tu ne sais même pas, c'est un ennemi invisible. Donc tu ne sais même pas à quel moment tu peux contracter cette bactérie. Donc ta seule cachette se trouve en Christ et en Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Quand nous regardons de nos yeux naturels, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et la Bible dit une chose importante dans Daniel 11, verset 32. Il y a une issue uniquement pour ceux qui connaissent Dieu. C'est la réalité, mon frère. Tu sais, t'as beau faire ce que tu voulais, tu faisais la bamboula aux boîtes de nuit, tout ce que tu voulais là. Frère, à un moment donné, aujourd'hui, tu ne peux plus... Amen. Tu dis, ah non, moi tous les vendredis soir, samedi soir, ah, il faut que j'aille en boîte. Ah, obligé. Ah bon, on va en boîte maintenant. Hein, vas-y. Ah non, il faut qu'on se retrouve au VIP. Oh, important. Ah, il faut que je descende ceci, 3 casiers, 4 casiers. Ah bon, vas-y maintenant. Tu vois que quelque part, les circonstances qui s'imposent à toi te montrent qu'il y a des choses et des habitudes que tu peux arrêter. Tu peux arrêter les mauvaises habitudes. Tu peux le faire. Alléluia. La Bible dit ici, uniquement ceux qui connaissent leur Dieu auront un avenir différent. Une sentence différente. La Bible dit en Daniel 11, verset 32. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront à agir avec courage. Il faut qu'ils soient courageux. Au milieu de la détresse, restez courageux. Courageux. Tu as perdu ton travail, reste courageux. Tu as perdu un membre de ta famille, reste courageux. La maladie est rentrée dans ta famille, reste courageux. Agis avec fermeté, reste courageux. Comment faire? Voilà pourquoi ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui par le Saint-Esprit est capital. Nous sommes en période de guerre spirituelle. Alléluia. On a l'impression que c'est le futur. Ah non, frère, le futur est au présent maintenant. Ce sont des choses qu'on voyait dans les films. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, tout de suite. Tu es chez toi. Même pour aller faire tes courses, c'est compliqué. Même pour aller acheter à manger pour ta subsistance, il faut que tu manques des papiers. Mais c'est incroyable. Incroyable. Pour aller te soigner, il faut que tu manques des papiers. Mais nous vivons dans quel monde? Jésus revient bientôt. Frère, tu dois faire un choix. Décide avec qui tu veux marcher. Ton travail, ton salaire. Papa, tu peux partir du jour au lendemain. Tous les jours à la télé, on voit telle personne est partie, telle personne est partie, telle personne est partie, telle personne est partie, telle personne est partie. Ah, mais c'est incroyable. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous garde. Mais Dieu garde que ceux qui se confient en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors concrètement, que devons-nous faire pour tenir et sortir vainqueur des saisons difficiles? C'est une série qui continue. J'ai déjà donné plusieurs points avant, donc je ne reviendrai pas dessus. Je disais qu'il fallait avoir un cœur qui soit totalement acquis à Dieu. Ça signifie avoir un cœur reconnaissant, avoir un cœur dans la joie, avoir un cœur qui aime la présence de Dieu, avoir un cœur en prière. Amen. Ensuite, la semaine dernière, j'ai dit qu'il faudrait communier avec le corps et le sang de Christ. C'était la Pâque. Alléluia, parce que le sang permet à l'esprit de mort de se dévier. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint, dis-moi amen. Et le corps de Christ que tu prends permet de neutraliser toute forme d'infirmité qui navigue dans ton corps. Alléluia. Donc c'est une série trop importante.
aujourd'hui en continuant. Que devons-nous donc faire pour tenir et sortir vainqueur des saisons difficiles? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Aujourd'hui, on va voir deux points. La semaine prochaine, on continuera. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premier point, j'aurai deux points aujourd'hui. Premier point, nous devons travailler ou cultiver la conscience de la présence de Dieu. Oh là là là. Dis avec moi, travailler et cultiver la conscience de la présence de Dieu. Dis encore, travailler et cultiver ou cultiver la conscience de la présence de Dieu. Dis encore, travailler et cultiver la conscience de la présence de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16, second 21. La Bible dit, second 21, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il dit, ou bien, il dit, « N'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple de Dieu ?» N'êtes-vous pas conscient ? N'êtes-vous pas conscient ? Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. N'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alléluia. Sache une chose importante. Ce dont tu es conscient, c'est ce que tu vivras et c'est ce que tu vas expérimenter. Si tu as la conscience de la présence de Dieu, alléluia, tu vas l'expérimenter. Fais cette prière avec moi. Ferme les yeux, fais cette prière avec moi. Alléluia, fais cette prière avec moi. Je te parle de la parole, là. Fais cette prière avec moi. On y va. Dis tendre Père. Tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus, sur la base de 1 Corinthiens 3, verset 16, rends-nous conscients que notre corps est la demeure du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de toi. Rends-nous conscients tous les jours de notre vie que tu habites en nous. Dans le nom de Jésus. Ah oui, frère. Ce dont tu es conscient, c'est ce que tu vas vivre et c'est ce que tu vas expérimenter. Si tu es conscient de la présence de Dieu, tu vas l'expérimenter. Si tu es conscient des crises qui t'entourent, tu vas les expérimenter. Ce dont tu es conscient, c'est ce que tu attires à toi. Alléluia. Ce dont tu es conscient, c'est ce que tu attires à toi, mon frère. C'est ce que tu attires à toi, ma sœur. La Bible dit ici, dès lors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il habite en toi, Dieu le Père habite en toi et le Saint-Esprit habite en toi. C'est une réalité. Regarde, ton sang coule dans tes veines, oui ou non? Oui ou non? Oui, ok. Est-ce que tu le sens? Tu ne sens pas ton sang couler. Mais tu sais que ton sang est là. Tu sais que ton sang est présent dans ton corps. Amen. De la même manière, tu n'as pas besoin de voir Dieu pour être conscient que Dieu est autour de toi. Dis-moi Amen. De la même manière que ton sang est conscient et présent dans ton corps et que tu ne le sens pas, de la même manière, tu es le Saint-Esprit, Dieu le Père, Jésus sont en toi. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu as juste besoin de le savoir et d'en être conscient. Dis-moi Amen. Alléluia. Tu dois maintenant être conscient de deux dimensions de la présence de Dieu. Deux dimensions de la présence de Dieu. Donc on sait que Dieu est en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Ok. Donc, être conscient de deux dimensions de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu est là. Maintenant, il y a deux dimensions de la présence de Dieu. Dieu en nous et Dieu avec nous. Donc, Dieu en toi et Dieu avec toi. Ce sont les deux dimensions de la présence de Dieu. Tu dois être conscient de ça. La Bible dit dans Jean 14, versets 10 à 11. La Bible dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites,
Je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi. Le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus est en train de dire ici que j'habite dans le Père et le Père habite en moi. Et Jésus habite en nous. Donc vous connaissez, je crois que vous avez tous fait cette formule en maths qui dit que si A égale à B et que B égale à C, c'est que A égale à C. Amen. Si Dieu habite en Jésus et que Jésus habite en nous, c'est que Dieu habite en nous. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Si vous avez reçu Jésus, c'est que vous recevez le Père. Donc il est en train de dire ici, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dieu en moi, qu'est-ce que ça signifie? Dieu en toi, Dieu en nous, qu'est-ce que ça signifie? La dimension de en, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là où tu es, Dieu est là. Là où tu es, Dieu est là. Là où, peu importe où tu es, là où tu te trouves, là, Dieu est là avec toi. Sois conscient, tu n'as pas besoin de le sentir. Des fois, Dieu va se révéler et ton corps peut ressentir quelques vibrations. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas une obligation. C'est une question de foi. Il y en a qui ne sentent rien. Des fois, moi, je ne sens rien, mais je sais que Dieu est là. Pourquoi? Mais parce que c'est écrit. Dis-moi, amen, je ne t'entends pas. Voilà. Dis encore plus, amen, je ne t'entends pas. Alléluia. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Il est là. Là où tu es, il est là. Tu vas aux toilettes, il est là-bas. Tu vas à la douche, il est là-bas. Tu vas au travail, il est là-bas. Tu vas en boîte de nuit, tu l'emmènes en boîte de nuit. Il est en toi. Il est en toi. Il ne va pas dire, bon, je reste là, dehors, et puis tu vas en boîte de nuit, et puis quand tu as fini, tu ressors, et puis il dit, bon, on recommence. Non, 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 il est en toi. Donc, ça signifie, tu ne t'appartiens pas, tu ne peux pas aller où tu veux. Tu ne peux pas aller où tu veux. Ce corps n'est pas à toi. Ce corps est la demeure de Dieu. Dis-moi, amen. Alléluia. La présence de Dieu, c'est là. Connaissez ce chant? Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Chante avec moi. Ta présence te fait du bien. Ton esprit est là. Alléluia. Je parle de ta présence. Ta présence. Ta présence me fait du bien. Parce que ton esprit est là. Oh oui, ta présence. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Saint-Esprit, ta présence me fait du bien. Parce que ton esprit est là. Ta présence, elle me fait du bien. Ton esprit est là. Alléluia, gloire à Dieu. Ta présence me fait du bien. Parce que ton esprit est là. Ton esprit est où? L'esprit de Dieu est où? Mais l'esprit de Dieu est là où tu es. L'esprit de Dieu est là où tu es. Mon frère, ma soeur, l'esprit de Dieu est là où tu es. Là où tu es, l'esprit est là parce que là où tu emmènes le corps, là. L'esprit est dans le corps. Dieu est dans le corps. Jésus est dans le corps. Alléluia. Il faut que tu en sois conscient. Il est en toi.
il est en toi. Si tu en es conscient, tu sauras que tu ne pourras pas emmener ton corps où tu veux. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Alléluia. Dites-moi amen. Ensuite, la deuxième dimension de la présence de Dieu. On a dit que Dieu est en toi, c'est vrai. Ensuite, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ces deux dimensions de présence, elles se complètent. Il faut que tu sois conscient de ça. Alléluia. Il faut, si tu es conscient de la présence de Dieu, ta vie est obligée de changer. Elle est obligée de changer. Regardez, Dieu avec toi signifie que le Saint-Esprit t'assiste, l'Esprit de Dieu t'assiste dans tout ce que tu fais, à condition que ce que tu fais soit conforme à la volonté de Dieu. Contrairement à l'Esprit de Dieu en toi, partout où tu vas, le Saint-Esprit est en toi. Donc là où tu vas, il va, parce qu'il est en toi. Amen. Donc, même si tu vas dans un mauvais endroit, comme il est en toi, il va dans le mauvais endroit. Suis-moi bien. Maintenant, la dimension de Dieu avec toi, attention, Dieu avec toi signifie que l'Esprit de Dieu t'assiste dans tout ce que tu fais, à condition que ce que tu fais soit conforme à la volonté de Dieu. Ça signifie que là où tu vas faire quelque chose, et si ce que tu fais n'est pas conforme à ce que Dieu veut, Dieu ne fera pas ça avec toi. Dieu ne sera pas là-dedans. Dans l'action, Dieu ne sera pas dans l'action avec toi. Dieu est uniquement dans l'action avec toi quand ce que tu fais est conforme à sa volonté. La Bible dit dans Actes 10, verset 38, vous allez voir la force de Jésus et même la force des disciples. C'était bâti sur ces deux vérités. On va d'abord commencer avec Jésus. Dans Actes 10, verset 38, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance. Sur Jésus de Nazareth, écoutez bien, il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Regardez bien. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était loin du Saint-Esprit, très bien. Loin de puissance, très bien. Jésus maintenant allait de lieu en lieu faisant quoi? Faisant le bien, hein, et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Pourquoi il faisait du bien? Capacité il avait de faire du bien. Comment ça se fait qu'il pouvait nourrir plus de 5000 hommes? Comment ça se fait qu'il pouvait guérir tous les malades? Le secret est parce que Dieu était avec lui. Donc en réalité, ce n'est pas lui qui faisait, c'est Dieu qui faisait avec lui. Jésus prenait le pain, 5 pains et 2 poissons et dit, Père, je te rends grâce pour ces 5 pains et 2 poissons. Et maintenant, Dieu multipliait. Il travaillait en collaboration, en partenariat. Que quelqu'un me dise amen. Ça signifie que chaque fois que tu t'appliques à faire la volonté de Dieu, sois tranquille, Dieu sera avec toi. Et quand Dieu sera avec toi, les signes, les miracles et les prodiges vont t'accompagner. Amen. Tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Est-ce que tu me suis? C'est la dimension de la présence de Dieu, mon frère. Regardez avec les disciples. Parce que sinon, quelqu'un peut dire, non, ça c'est juste Jésus. Regarde les disciples. Dans Marc 16, verset 20, Marc 16, verset 20, second 21, la Bible dit, quant à eux, ils parlaient des disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Donc c'est ce que nous devons faire, proclamer la bonne nouvelle de la parole. Même quand nous sommes confinés, il y a des moyens de parler de Jésus. Dis-moi amen. Voilà. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça signifie que eux, ils prêchaient et le travail de Dieu, c'était d'accomplir des miracles en conformité avec ce qu'ils disaient. Donc Dieu travaillait avec eux. Que quelqu'un me dise amen. La deux dimensions de la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu change ta relation avec Dieu. Elle change totalement ta relation avec Dieu. Je prie que ce soit ton cas dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand tu es conscient de la puissance, la nécessité de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu es conscient de la nécessité de la présence de Dieu dans ta vie et que tu en es pleinement convaincu, ta vie change. Tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas. Pourquoi? Mais Dieu est avec toi. Comment tu vas t'inquiéter si Dieu est de ton côté? Amen. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui agit dans le monde. Voilà.
Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Voilà. Ce sont des paroles que tu lis, mais en fait, tu n'en es pas conscient. Travaille la conscience. Voilà pourquoi le premier point, il faut travailler et cultiver la conscience. Ça signifie dans ton esprit. Tu dis à ton esprit, attention, hein, papa est là. Alléluia. Papa est là. Vous pouvez pécher en cachette, mais vous ne pouvez pas pécher devant tout le monde. Alléluia. Mais le problème, c'est que vous pouvez vous cacher des hommes, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Parce que quand vous péchez, Dieu voit et le ciel voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu es conscient de cela, tu ne peux pas t'inquiéter. Tu ne peux pas. Rassure-toi toujours du soutien de Dieu. Rassure-toi toujours du soutien de Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu être parmi son peuple. Toujours. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Dieu a toujours désiré demeurer au milieu de ses enfants. Ça signifie le fait que Dieu soit avec nous, fait de nous des personnes inarrêtables, indomptables, extrêmement dangereuses. La Bible dit dans Deutéronome 31, verset 8, la Bible dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi ». Dis-moi « Amen ». Il sera lui-même avec toi. Regardez bien, il dit « Il sera lui-même avec toi ». Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Donc aujourd'hui, je te rassure, Dieu marche avec toi parce qu'il est en toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer par tout ce que tu vois autour de toi. Ne te laisse pas effrayer, Dieu règne. Sois conscient que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Tu dois juste travailler cette conscience. Tant que Dieu ne voit pas que dans ta conscience, tu es conscient qu'il est en toi, il n'agira pas. Ce que tu vivras, c'est ce dont tu es conscient. Si tu as peur, tu vivras les fruits de ta peur. Alléluia. Eh oui, que quelqu'un me dise encore Amen. Amen. Deuxième point. Qu'est-ce qu'il faut que nous devons faire? Que devons-nous faire pour tenir et sortir vainqueurs des saisons difficiles? Qu'est-ce que nous devons faire? Deuxième point, nous devons nous appliquer à la discipline de la prière. Que quelqu'un dit discipline de la prière. J'ai pas dit prière, j'ai dit discipline de la prière. Dis encore discipline de la prière. Très bien. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Second 21, la Bible dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux. De jour comme de nuit, vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit, ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. » Sur la terre. Il dit « J'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. » Vous êtes chargés. Ça signifie vous avez la responsabilité. Alléluia. Quand il est question de responsabilité, ça signifie que ta prière doit être une prière disciplinée. Quelqu'un de responsable ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe quand. Si tu es responsable, tu dois prendre tes responsabilités pour que tu puisses tenir dans la durée. Tu ne peux pas tenir dans la durée si tu n'es pas discipliné. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Là, il est question de prière corporative, même de prière individuelle. La notion de responsabilité introduit la notion de discipline. Discipline. Amen. Nous parlons toujours de la prière. Pourquoi? Parce que là, on ne peut prier que dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens prient en dehors de la présence de Dieu. Si vous priez en dehors de la présence de Dieu, votre prière est multipliée par zéro. Vous devez d'abord être sûr que vous êtes dans la présence de Dieu. Et ensuite, une fois que vous êtes dans la présence de Dieu, vous pouvez parler. Vous pouvez confesser. Vous pouvez décréter. Vous pouvez supplier. Vous pouvez prier. Alléluia. Donc, il est question ici de discipline. C'est pourquoi on a dit, appliquez-vous à la discipline de la prière. Regardez dans Daniel 6, verset 11. La Bible dit, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret,
Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Trois fois par jour, matin, midi, soir, des prières. Matin, midi, soir, il priait et il exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Il était discipliné. Dites-moi Amen. Et vous, si vous lisez tout Daniel, vous allez vous rendre compte que Daniel a eu de très hautes fonctions. Il était carrément le numéro 2 à régner sur le royaume. Le roi lui avait donné cette opportunité-là. Donc, il avait de hautes fonctions et il était très occupé. Malgré le fait qu'il était occupé, il était discipliné par rapport à son temps de prière. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Donc, écoutez, c'est principalement l'obéissance et la discipline de Daniel qui lui a valu d'être préservé par Dieu, même quand on l'a attaqué. Daniel était quelqu'un de discipliné dans la prière. Et Daniel était quelqu'un d'obéissant. Daniel était quelqu'un de conscient que Dieu était avec lui. À cette dimension-là, à l'époque, Dieu n'était même pas en lui. Dieu était avec lui. Mais il était tellement conscient que Dieu était avec lui. Tellement conscient. Mais comment il était conscient? Qu'il priait matin, midi, soir, malgré ses responsabilités. Il est resté discipliné par rapport à son engagement de prière. Je suis en train de te parler. Dis-moi Amen. Si tous les privilèges de Daniel ont été gardés intacts et n'ont fait qu'augmenter au fur et à mesure que Daniel restait auprès du roi Darius, au fur et à mesure. Si au fur et à mesure les grâces et les faveurs de Daniel n'ont fait que s'accroître, ça signifie que ce qui gardait intact ou qui faisait que ses bénédictions se multipliaient, c'était son obéissance à Dieu et c'était sa discipline de prière. Dites-moi Amen. Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Ça signifie que la prière de Daniel gardait les biens de Daniel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu peux garder ton foyer par la prière. Tu peux garder tes enfants par la prière. Pas n'importe quelle prière. Je dis une prière disciplinée et qui dure dans le temps. Tu peux garder ton mariage par la prière. Tu peux garder ton conjoint par la prière. Tu peux garder ta famille, ta santé par une prière disciplinée. Aujourd'hui, on va commencer le matin en prière. Tu pries le matin et puis après tu pries le lendemain le matin. Après tu pries 3 jours après. Après tu pries à midi. Après tu pries 4 jours après. Tu n'es pas discipliné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois discipliné dans la prière. Quand tu t'engages, engage-toi bien. Sois discipliné. Et tu dois prier pour que Dieu t'accorde cette grâce. Tu dois prier pour que Dieu t'accorde cette grâce. On ne peut pas avoir d'excuses. Aujourd'hui, Dieu nous a aménagé du temps pour que nous puissions prier sans problème. Pourquoi? Nous sommes confinés. À part manger et prier, tu vas faire quoi d'autre? Tu peux manger, travailler, mais prier. Alléluia. Tu peux agencer ton temps pour maximiser et mettre en place, t'appliquer à une discipline de prière. Frère, c'est ce que tu dois faire si tu veux sortir vainqueur des moments difficiles. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Ou la version parole de vie dit, « Tenez-vous près de Dieu et il se tiendra près de vous. » Ça signifie que frère, la prière disciplinée est puissante. La prière disciplinée est puissante. Jacques 5, verset 16, la Bible dit, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça signifie qu'ensemble, on doit prier les uns pour les autres. Ensemble, comme une chaîne de prière. Une chaîne de prière. Et quand on fait ça, la Bible dit, « Vous allez être guéris. » Pourquoi? Parce que la prière agissant du juste a une grande efficacité. À une grande efficacité. Dieu veut que nous puissions nous appliquer à une prière disciplinée. Voilà pourquoi dans Ésaïe 62 du verset 6 à 7, mais je vais juste lire le verset 7, il dit, « Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. » Dieu est en train de dire ici, « Ne me laissez pas de repos, priez
priez sans cesse, ne me laissez pas de repos jusqu'à ce que je rétablisse la ville de Jérusalem. Ça signifie que Dieu veut rétablir la ville où vous habitez. Si vous habitez à Pointe-Noire, Dieu veut rétablir la ville de Pointe-Noire. Si vous habitez à Brazzaville, Dieu veut rétablir la ville de Brazzaville. Où que vous soyez, Dieu veut rétablir l'ordre divin dans cette ville. Il a besoin qu'il y ait des sentinelles. Mais un sentinelle ou une sentinelle plutôt est discipliné. Il est jour et nuit en prière. Sans discipline, comment tu peux tenir? Dis-moi amen. Comment tu peux tenir? Chaque ville a ses difficultés. Chaque ville a ses défis. C'est dans la prière que Dieu te donne les stratégies de prière pour la ville. Priez comme des sentinelles. Pour que, et ne lui laissez aucun répit. Ça signifie, Dieu dit, ne me laissez pas tranquille. Embêtez-moi, bousculez-moi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Il n'y a qu'une prière disciplinée et dynamique qui peut donner l'opportunité à Dieu d'agir tranquillement. Parce que si on ne prie pas, Dieu n'agit pas. Mais si on prie constamment et tout le temps, Dieu peut agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez? Si nous prions ensemble, je parle de sentinelle. Nous avons le matin en prière, nous avons le midi en prière, nous avons le soir en prière. Si on le fait tous ensemble, matin, midi et soir en prière, il y aura toujours des personnes qui lèveront la voix pour prier en faveur de la nation, en faveur du pays. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut étendre sa main sur la ville de Pointe-Noire. Dieu veut rétablir Pointe-Noire. Dieu veut donner un nouvel éclat à Pointe-Noire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Nous pouvons le faire. Si nous nous appliquons à une prière disciplinée. Vous savez, en période de guerre, tous les bras valides sont réquisitionnés. Tous les bras valides sont importants. Voilà pourquoi dans certains pays, il y a même des enfants soldats. Vous connaissez ça, non? Les enfants soldats. Ça signifie que à situation exceptionnel, moyen exceptionnel. Donc on récupère même les enfants. Dès qu'un enfant est capable de porter une arme, on dit, regarde comment on charge comme ça, et puis on tire comme ça, allez, c'est bon. Mais de la même manière, nous sommes en guerre aussi. Ça signifie que nous, notre arme de guerre, c'est la prière. Ça signifie que Dieu veut que nous puissions aussi réquisitionner les enfants, les jeunes, les adultes, les hommes, les personnes âgées. Tout le monde doit prier. Tout le monde. Si l'enfant ne se lève pas suffisamment tôt, il peut se lever un peu plus tard, mais il doit aussi prier. Pourquoi? Parce que la voix de chacun est importante dans l'exercice de la prière disciplinée. Dis-moi amen. Dites-moi encore amen. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. La Bible dit: priez sans cesse. Ou encore que votre vie de prière dans parole vivante, que votre prix de prière ne se relâche pas. Ça signifie, regardez ce que Dieu est en train de dire ici. Quand est-ce qu'il faut prier? Il dit tout le temps. Prier sans cesse. Mais à quel moment? Dieu dit ici tout le temps. Donc Daniel, c'était matin, midi, soir. Mais Dieu ici même dit quoi? Tout le temps. Et comment ça tout le temps? Oui, le temps de prière, Seigneur, c'est quoi? C'est tout le temps. C'est pas madame Bigné sur la prière. Oui, oui, mais en fait, c'est tout le temps. En fait, la prière et la vie de prière, c'est différent. Tu peux prier pendant une heure, mais tu peux mener une vie de prière pendant 24 heures. J'ai entendu un de mes fils dans la foi qui dit que je me suis réveillé, mon esprit était en prière. Oui, quand ton esprit est en prière, c'est qu'en fait, ton esprit prie tout le temps. Dis-moi amen. Maintenant, tu peux prier concrètement et de manière fervente pendant une heure ou pendant deux heures ou trois fois dans la journée, gloire à Dieu. Mais en réalité, si tu es conscient de la présence de Dieu, tu pries tout le temps. Tout le temps. La Bible dit ici, prier sans cesse. Pas seulement une heure, deux heures, trois heures. En fait, il faut être conscient que tu converses avec Dieu. Il faut être conscient que tu es avec Dieu. Que tu parles avec Dieu. Tu intercèdes avec Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. 1 Timothée 5 verset 16, second 21. La Bible dit: c'est pourquoi je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient. Cette fois-ci, il est en train de parler de tout lieu. Tout à l'heure, il parlait de tout le temps. Donc, il faut prier tout le temps. OK? Et là maintenant, il faut prier partout. Eh ben dis donc, hey, Seigneur. Il faut prier tout le temps et partout. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient. Tout
tout lieu est un lieu de prière. Ça signifie quoi? Dans la douche, tu pries. Aux toilettes, tu pries. Quand tu manges, tu pries. Tu dors, tu pries. En voiture, tu pries. Au bureau, tu pries. Alléluia. Tout le temps, c'est tout le temps. En tout lieu, c'est en tout lieu. Ça signifie qu'il faut prier tout le temps. Ou partout. Que quelqu'un dise amen. Et cette dimension-là ne peut être menée que quand vous êtes conscient d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu est avec vous tout le temps. Dites-moi amen. Sa prière disciplinée est une grâce que l'on obtient de Dieu. Cette dimension de prière est une grâce que l'on obtient de Dieu. Dans Zacharie 10, verset 12, la Bible dit « J'animerai les descendants de David et les habitants de Jérusalem d'un esprit de bonne volonté et de prière. » Dieu dit qu'il va t'animer d'un esprit de prière. Il va t'animer d'un esprit de prière. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Il va t'animer d'un esprit de bonne volonté et de prière. Il t'accordera une aptitude. C'est-à-dire que là, tu auras envie de prier. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire pour résumer? J'ai voulu dire que travailler la conscience de Dieu en toi et avec toi te procure l'assurance que tu n'es pas seul en face des crises. Écoute-moi bien. Travailler la conscience de Dieu en toi et avec toi te procure l'assurance que tu n'es pas seul au milieu de la crise. Ne t'inquiète pas, Dieu avec toi, papa. Dieu avec toi. Dieu avec toi. Il est ton partenaire au quotidien. Il est avec toi. Il est avec toi. La présence de Dieu est une atmosphère. Tu n'as pas besoin de sentir cette atmosphère. Tu as besoin de croire en cette atmosphère. Ensuite, s'appliquer à la discipline de prière est nécessaire pour permettre à Dieu, un, de te fortifier et deux, d'agir avec toi dans l'accomplissement de sa volonté. Tu peux être dans la présence de quelqu'un et tu ne demandes pas à cette personne de t'aider. Donc, tu dois être conscient d'être dans la présence. Et quand tu es dans la présence, maintenant tu demandes à cette personne de t'aider. Donc, tu es dans la présence de Dieu. Et maintenant, la prière permet à Dieu de t'aider dans l'accomplissement de sa volonté ici-bas. Et comme il est, c'est le Dieu fort, il te donne et il te communique également la force. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ah Seigneur, merci. Luc 21, verset 36, « Restez donc en éveil et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Priez et veillez, afin que Dieu vous donne la force de travailler avec lui, parce que le Dieu fort et puissant accomplira sa volonté partout où vous êtes. » Alléluia. C'était les deux points. La semaine prochaine, je continuerai dans cet élan. Sachez que en toute chose, selon Romains 8, verset 37, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia, Dieu est fidèle, Dieu est bon, à condition que vous permettiez d'abord qu'il habite dans vos cœurs, que vous soyez conscient qu'il est dans votre cœur et qu'il vous donne et qu'il libère sur vous un esprit de bonne volonté et de prière si vous le lui demandez. Il est prêt à le faire. Que quelqu'un me dise amen. Je ne sais pas où tu es et je crois, mon frère et ma sœur, que tu as besoin de Dieu comme nous avons besoin de Dieu. Et je vais faire une prière et je vais te demander de faire cette prière avec moi si tu veux vraiment te cacher en Christ. Je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas, il n'y a aucun endroit sur terre où tu peux te cacher de cette épidémie et de cette pandémie. Aucun endroit. Tu ne peux te cacher qu'en Christ. Et pour te cacher en Christ, il faut que tu ouvres ton cœur à Jésus. Incline la tête et répète cette prière avec moi. Père Dieu puissant, j'ai entendu ce message. Et je crois que ce message m'est adressé personnellement. Je reconnais que je pensais mener ma vie comme bon me semblait. Aujourd'hui, au travers de ce message,
je me suis vu totalement nu et impuissant. Je te demande pardon d'avoir pensé que je pouvais mener ma vie selon ma propre volonté. Tu me donnes l'opportunité d'être caché en toi. Alors j'accepte. 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 Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur personnel. Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur personnel. Tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. Et tu habites en moi. Je sais que le Dieu habite également en moi parce que Dieu habite en toi. Et comme tu habites en moi, ton esprit habite en moi. Père, merci. Je ne comprends peut-être pas tout. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être conscient que tu es là. Et j'ai besoin d'être conscient que tu me conduiras. Et tu mettras sur ma vie un esprit de bonne volonté et de prière. Merci pour ma vie qui est entre tes mains maintenant. Je suis couvert par ta présence et je suis gardé par ta puissance. Merci Père de grâce. Avec action de grâce au nom de Jésus, dites-moi Amen. Dites encore Amen. Voilà, toutes les personnes, vous tous qui avez fait cette prière d'acceptation, nous ne voulons pas vous laisser seuls, nous voulons vraiment vous prendre par la main. On veut vraiment vous aider à grandir en Christ. Ça signifie à grandir dans la connaissance du Jésus qui est réellement maintenant en vous. Ok ? La Bible dit, ne savez-vous pas que maintenant vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu et Jésus habite en vous. Donc vous aurez, il y a deux numéros de téléphone qui vont s'afficher pendant que je suis en train de vous parler. Ces deux numéros de téléphone, je vous en prie, envoyez-nous vos témoignages, vos réactions par rapport au message que vous venez d'entendre. Si vous avez reçu Jésus, dites-nous que vous avez reçu Jésus et on vous confiera à des frères et à des sœurs qui vont vous suivre et qui vont vous emmener progressivement dans un parcours de croissance et de formation. Comme ça, plus vous connaîtrez qui vous êtes devenu, plus vous serez fort en Jésus. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même si on ne peut pas se voir en présentiel, les téléphones existent. On fera tout pour vous contacter et vous suivre de manière régulière. Donc, ces deux numéros de téléphone sont en train de s'afficher. Ce sont des informations, c'est des numéros qui nous permettent de recevoir vos témoignages et vos informations. Donc, réellement, soyez bénis. Je vais incliner la tête, je vais prier avant de libérer, de remettre le micro à Déborah qui va vous donner des différentes orientations par rapport à la manière dont vous pouvez participer à vos dîmes, aux offrandes. Faites-le librement et faites-le dans la joie. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour toutes les personnes qui ont suivi, Seigneur, ce message. Merci parce que c'est toi qui les as touchés au travers de ce message. Merci parce que tu nous as montré encore aujourd'hui qu'il y a différents moyens, Seigneur, de tenir ferme et de sortir vainqueur de toute situation de crise dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu nous as dit que nous devons travailler ou cultiver la conscience de ta présence. La conscience de ta présence, ça signifie Dieu en nous et Dieu avec nous dans le nom de Jésus. Tu nous as également dit que nous devons appliquer une discipline de prière. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as dit dans le livre de Zacharie que c'est toi qui nous donnes cet esprit de bonne volonté, cet esprit de prière. Donc nous l'avons auprès de toi. Alors accorde-nous la grâce de le recevoir dans le nom de Jésus. Fais de nous des personnes qui sont remplies de bonne volonté pour l'accomplissement de ton œuvre. Fais de nous des personnes qui soient disciplinées dans la prière. De la même manière tu as gardé Daniel, de la même manière tu nous garderas dans le nom de Jésus. De la même manière tu as béni Daniel, de la même manière tu nous béniras. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit scelle tout ce que nous avons entendu dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je passe le micro à Déborah. Merci. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cet excellent message que nous avons eu ce matin de la bouche du Seigneur par son serviteur, le pasteur Ghislain Biabatanto. Alors nous voulons prendre le
le temps de bénir Dieu pour nos offrandes. Alors avant que vous ne fassiez vos transactions, des numéros de téléphone vont s'afficher et vous pourrez faire vos transactions. Mais avant tout, nous voulons prendre le temps de bénir le Seigneur, de bénir Dieu pour nos offrandes. Prions. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour toutes nos dîmes, toutes nos offrandes et toutes nos libéralités. Nous croyons qu'elles sont une excellente semence que nous semons sur une terre fertile. Et nous croyons que cette semence participe à l'avancement de ton œuvre ici-bas sur terre. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors, chers frères et chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez donc la possibilité désormais de faire vos transactions librement. Nous rappelons le programme. Alors, nous disons tous les dimanches à 21h et tous les mercredis à 17h, nous sommes sur la radio GDH. Je répète, tous les dimanches 21h et tous les mercredis 17h, nous sommes sur la radio GDH. Et sur la radio Bonne Nouvelle, nous sommes présents tous les jeudis et tous les samedis à partir de 17h30. La radio Bonne Nouvelle, tous les jeudis et tous les samedis à 17h30. Nous sommes à la fin de notre émission ICC chez vous. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris part à ce culte avec nous. Les numéros de téléphone s'affichent sur vos écrans. Vous avez la possibilité de faire librement vos offrandes. Nous rappelons également que nous sommes présents sur les médias sociaux. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Alors, nous rappelons les numéros pour toutes les personnes qui voudraient faire leurs offrandes. Nous avons un compte Airtel Money, c'est le 05, le 305. Le 79 et le 71. Je répète pour le Airtel Money, 05 305 79 71. Et pour Mobile Money, nous avons le 06 945 41 97. 06 945 41 97. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été nombreux à faire avec nous ce culte. Alors nous disons que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soient notre partage tous les jours de nos vies. C'était ICC chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.